Donc, comme Richard intimated already, l'a déjà mentionné, the world economy is in the midst of a broad-based expansion. Est en pleine according to consensus forecasts, selon les or the IMF forecast, which is actually very close to the consensus, FMI, we're seeing 3% real growth in 2017 using market exchange rates as weights. And this implies a half a percent acceleration, which is really quite notable for the world economy compared to 2016. And it also marks, for the first time since the financial crisis, a return to the 20-year trend of world economic growth. So, you know, I agree, I've been doing this for a long time, looking at the world economy in various contexts. I agree that 2017 longtemps, et je suis d'accord sur le fait que 2017-2018 vont être de bonnes années. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de risques. Cependant, je vais me concentrer plutôt sur la réelle économie, plutôt que sur les questions soulevées dans le rapport de stabilité. Alors, 2017-2018, ce sont de bonnes années. Pourquoi? Eh bien, il y a quatre éléments très rapidement, éléments très connus, une croissance soutenue au niveau des grandes économies, une accélération également des économies qui ont connu des problèmes tels que la Russie, le Brésil, le Japon et l'Italie, qui ont moins de, problèmes maintenant et qui accusent une croissance régulière. Le deuxième élément, c'est que les politiques sont les politiques monétaires sont utiles. Fiscal policy plays a large and neutral role. La politique fiscale également joue un rôle très important. Le package fiscal annoncé aux États-Unis aussi signifie qu'il y aura un stimulus. From the short-term point of view, a good thing. The third element is, you know, we've had very slow growth. We've had 10 years, There's a lot of pent-up demand, and there's also a lot of underutilized capacity. Il y a beaucoup de demandes et il y a une sous-utilisation des capacités. Et dans la moitié des 16 plus grandes économies du monde, le chômage est de plus de 6%, ce qui est une bonne indication de capacité sous-utilisée. Aussi, le prix des produits et du pétrole n'ont pas augmenté de façon conséquente, et donc l'inflation est à moins de 2%. Et l'inflation sous-jacente est encore en deçà de cela. Donc, ceci peut nous permettre d'être optimiques à court terme. Mais il y a très peu de déséquilibres au niveau des pays développés. Mis à part l'exception, ce qui est l'Allemagne. Other countries, mais il semblerait qu'au niveau des autres pays, notamment dans les pays européens, ont appris à faire face à leurs problèmes. Donc, lorsque je me concentre sur les risques, je ne suis pas politiquement correct. Je vois très peu de réduction du risque dans le futur. Lorsque j'étais chargé des prévisions à la Banque mondiale, j'aurais été peut-être un peu plus prudent, mais je ne vois pas le risque baisser. Au contraire, je vois le risque augmenter. En 2018, on pourrait être près de 3,5%, essentiellement dû au fait que, d'après mon expérience, lorsque l'économie mondiale prend un certain élan, il y a un mécanisme d'auto-alimentation. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque je parle de 2018, je pense que ça peut surprendre certaines personnes, mais il y aura une augmentation de l'inflation et on peut peut-être sous-estimer, et les marchés peuvent sous-estimer cela, et surtout après 2018. Et cela pourrait créer certains problèmes. Mais à long terme, I want to talk about the long term because for me et je veux vous parler du long terme car c'est ce qui est le plus important pour moi à l'heure actuelle. There are
So, if you look at the long term, we've had a slowdown, big slowdown in the labor force. Au long terme, on a connu un ralentissement de la main-d'œuvre de part de dans le monde. And productivity growth has been relatively slow. Il y a également une baisse des investissements et la croissance so en matière de productivité est très lente. Donc, il serait imprudent de présumer que l'on va recevoir plus de 3%, que l'on va accuser une croissance de plus de 3% au cours des prochaines années, comme c'était le cas. One is that we don't really understand Mais, what drives productivity. So the fact of productivity is measured by the productivity of the residual from a regression, which essentially means we don't know what is driving it. And there could be digression. A lot of innovations. Mais il se peut également qu'il y ait beaucoup d'innovations. So we may be seeing accelerated productivity. Donc, But the other factor, which is perhaps just as important, is that regardless of what's happening at the technology frontier, developing countries are so far behind the technology frontier. And en they retard now account for par about rapport 40% à la frontière technologique world GDP et loin représente 50% du PIB and they're growing about 2.5 times faster au taux du marché de change than advanced countries. Et ils avancent deux fois plus vite que les pays développés. Better, les pays en développement peuvent même faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. And that, together with the possibility of a productivity acceleration, et, could make donc, us quite optimistic about the medium term. A lot depends, avec in fact, l'augmentation de la productivité, it is very important peut, what the policies that are pursued in developing countries d'optimisme. Will be with regard to whether they're going Mais to fulfill si that, that vont potential. Donc, and that is where exploiter ce I go now in the long term. Et c'est pour ça que je parle du long terme. Et je vais vous dire pourquoi je suis pessimiste the policy picture. And par rapport I could two à la politique things, but I'm focus dans le futur. On je vais me concentrer, je, enfin, je, voulais, and je pourrais mentionner focus trois choses, on mais je vais me concentrer sur une chose, à savoir le protectionnisme. I don't mean to pick on the United States. Je ne veux pas accuser les États-Unis. J'habite aux États-Unis. J'admire les États-Unis. Les États-Unis sont l'une des économies les plus larges et libres. Et le protectionnisme est une tendance beaucoup plus prévalente en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Cependant, les États-Unis se replient sur US protectionism et le protectionnisme américain, pour moi, n'est pas une aberration temporaire, mais le résultat de l'échec de l'économie de s'ajuster à des salaires justes, etc., a causé énormément de problèmes. Et j'ai écrit déjà sur à propos de ce risque, même avant l'avènement de M. Trump. Mais current US policies, les politiques américaines actuelles, such as tax cuts, telles que le tax cut et les réductions au niveau de la couverture sanitaire, ne sont pas en mesure de répondre au problème et ne font qu'aggraver le problème. Le proxénétisme aux États-Unis va déstabiliser les foyers, va déstabiliser non seulement les États-Unis, mais également les pays étrangers et va être un très mauvais exemple pour les autres pays. Et si il n'y a pas un événement imprévu qui se passe, si cette tendance persiste, eh bien, on accusera un taux de croissance. Enfin, on va regarder cette croissance de 3% aux États-Unis avec beaucoup de nostalgie.